Tu joues dans quel film en fait? Quoi? Tu joues dans quel film? Pourquoi? En gros, je me suis lancé dans une petite expérience d'essayer de vivre pendant tout le festival de Cannes, sans argent, sans toucher à l'argent. Ok, mais ça t'est venu comment cette idée en fait? Je me questionnais un peu autour des rapports humains, du rôle de l'argent dans ces rapports, et du coup je voyais les émissions Nuit et culottées, j'irais dormir chez vous, et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des aventures comme ça. Donc j'en ai fait avant, la côte ouest, je fais ça à Paris, je fais ça en Angleterre entre autres, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer à Cannes où on est dans l'extravagant, je pense. Au moins un univers où il y a beaucoup d'argent, et essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Et alors, t'es déçu ou pas de ce festival? C'est quoi tes impressions? Il n'y a pas à être déçu ou pas déçu, c'est juste regarder ce qui se passe. Et alors, il se passe quoi? Ça marche du coup, depuis 9 jours, j'avais toujours réussi à trouver tous les soirs un hébergement, une personne qui m'a accueilli. T'as dormi chez qui? Il y a vraiment de tout, il y a des locaux, il y a des touristes, des gens qui viennent pour le festival. Il y a des stars aussi qui t'hébergent? Non, j'ai pas eu l'occasion d'en croiser. Pourtant, t'es en face du Majestic. Ouais, mais j'ai pas eu le droit de devant le Majestic. Allez, ils te mettent un peu dehors, tu peux pas être devant le Majestic, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé, ouais. Et t'en dis quoi? Dans les palaces, bah du coup d'aller un peu plus loin, c'est tout. Ouais. Voilà. S'il y a une star qui te dit viens dans ma suite, tu vas direct ou quoi? Bah pourquoi pas, ouais, ça dépend comment c'est. Comment c'est dit et pourquoi. Mais y a pas trop parti, quoi, y'a rien. Ok, et ta prochaine aventure dans ce sens-là, c'est où? Je sais pas encore. Je sais pas, là je fais ça et on verra après. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 2 ans par intermittence en fait, dans l'expérience. Ok. Tu veux mettre un peu de sens en fait dans le festival de Cannes? Tu veux regarder un peu l'aspect. C'est quoi l'objectif vraiment ultime par rapport au festival de Cannes? C'est de montrer, de mettre du sens là où il n'y a que des paillettes en fait, c'est ça l'idée? Non, après c'est vraiment pour moi et essayer de voir un peu, d'explorer, de me poser des questions, de discuter avec des gens et. Et te faire réfléchir voilà. Aussi? De me faire réfléchir déjà au départ. Peut-être après, ouais, peut-être. Peut-être après. Super. Bah écoute, bonne chance. Je suis filmé en même temps. Ouais. Ah bah oui. Bah évidemment, filmé. Faut le regarder, faut le regarder. Ok. Tu joues dans quel film toi? Alors je joue dans aucun film ici. Je suis photographe et je prends en photo toutes les femmes en jolie robe qui viennent voir des films et qui sont connues de personne. On n'a pas de robe nous? Non, vous n'avez pas de robe, les jolies messieurs aussi. Et cette année alors ça bouge un peu ou c'est mou là? Alors moi c'est la première année que je le fais, du coup je peux pas te répondre. Je sais pas, pour moi ça reste assez fou de voir tout ça et j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme d'effervescence. Mais tous les gens qui ont déjà fait le festival m'ont dit que c'était de moins en moins fou, qu'il y avait de moins en moins de gens. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent souvent que c'est peut-être lié aux attentats, mais je sais pas, il y a une sorte d'émoi. Tu veux pas jouer dans un film toi, ça te dit rien si on te propose là demain? Si, je pense que si on me propose demain, je dirais oui. Tu laisseras tomber l'appareil photo pour jouer dans un film, dans quoi tu voudrais jouer? Dans plein de choses, des films d'auteur, des comédies, dans plein de choses. Et tu viens d'où, t'arrives d'où? Moi j'ai grandi en région parisienne et là j'habite le sud-ouest. Tu reviens l'année prochaine? Ouais, je pense. Même si j'ai pas, je pense, gagné beaucoup d'argent, mais je reviendrai. Et tes plus belles photos là cette année, c'était quoi? Mes plus belles photos, je pense que j'en ai fait quelques-unes de chouettes quand même ici. Après, comme on travaille, on doit faire un certain type de photos parce qu'on les vend. Du coup, on peut pas se permettre d'être trop artistique ou de prendre trop de temps pour faire autre chose. Mais je pense que je vais avoir une belle série à la fin du festival. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que souvent il y a des gens qui se font prendre en photo et ils pensent que c'est gratuit en fait. Et quand tu leur donnes la carte et que tu leur dis c'est payant, ils se barrent ou... Non, il y en a quand même pas mal qui connaissent le truc. Après, moi j'ai encore du mal à comprendre parce qu'il y a beaucoup de modèles par exemple qui vont quand même acheter des photos alors qu'elles ont 1000 photos d'elles très bonnes. Mais comme les gens sont au festival, ils veulent des photos de haut festival, du coup ils vont quand même acheter des photos. Les messieurs sont radins ou pas quand ils sont avec leur femme, ils achètent la photo ou quoi? Ça dépend lesquels. Ça dépend vraiment lesquels. Bon, je sais pas, il y a quand même des femmes autonomes aujourd'hui qui peuvent acheter elles-mêmes leurs propres photos.